Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la troisième et dernière partie du méga, giga, fantastiquema, Ultemu. Alors, je dis dernière partie puisque, en fait, j'ai séparé en trois parties parce qu'il y a les fringues pour les garçons avec. Pas mal de fringues pour les garçons d'ailleurs. Mais j'attends encore 6 ou 7 commentes. J'ai tourné le vlog ce matin en vous disant que j'attendais 5 commentes. J'en attends 6 maintenant. Voilà. Et il y a une heure de temps, même pas, qui sépare le moment où j'ai vlogué au moment où je filme maintenant. Donc en bref, j'ai refait une commande ce matin. Donc je vais commencer d'abord par les fringues pour les garçons, on passera aux fringues pour moi et pour les 2-3 petits accessoires que j'ai en plus. Voilà. Je rapproche le fauteuil parce qu'il est un peu loin. Voilà, voilà. Alors, pour Enzo, j'avais recommandé le pantalon là qu'il aimait beaucoup, que j'avais commandé pour Sam, que je vous ai montré dans le précédent vlog. Voilà, tout bariolé, tout ça. Enzo l'aimait beaucoup, donc je lui ai recommandé, sauf que Sam il m'a dit après que j'ai recommandé que il m'a dit récemment qu'il ne le mettrait pas. Donc du coup j'ai dit à Sam, bah, descends celui que je t'ai acheté toi, et quand j'ai reçu l'autre je l'ai retourné directement. J'arrive à déposer le colis ce soir, voilà, j'ai tout de suite fait un retour parce que ça sert à rien que j'ai deux fois le même pantalon, enfin qu'Enzo ait deux fois le même pantalon, et moi je l'ai essayé, je me suis dit au pire je garde l'autre pour moi, mais en L homme, autant vous dire que je pouvais mettre deux fois dedans presque. Peut-être pas, mais il était très large. Donc voilà, et ça, Enzo, il l'aime bien. Et je lui ai pris, donc lui, il ne l'a pas vu en vrai encore, il l'a vu que en photo. Je lui ai pris un ensemble short et t-shirt. Il est sublime. Sublime, 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 avec un espèce de loup blessé, comme ça, aux yeux. Vous voyez, là, il a une cicatrice, c'est un loup scar. Magnifique. Il est sublime. Donc il était bien content, et le short qui va avec. Littoral, trop beau, trop beau, trop beau. Et à l'arrière, vous avez juste la forêt. Bon, c'est un peu dommage qu'il a la gueule au niveau des coucougnes. Ils auraient pu centrer juste sur une jambe, par exemple. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Avec le t-shirt qui tombe dessus, ça se verra peut-être moins. Alors, pour Sam, dans cette partie, il a tout aimé. Mais je crois qu'il y a deux trucs pour lui. 1, 2, 3 trucs. Ouais. D'abord, je lui ai pris un lot de 2 pantalons, comme ça, baggy. Donc, il y a un gris et c'est le même en noir, avec juste le petit emoji là sur la poche de devant. Et c'est une matière qu'il aime bien. Et il m'a dit, ah, ça, j'adore. Donc, je suis contente, n'est-ce pas? Parce qu'il y en avait deux. Bah, sinon, mais Enzo, je crois qu'il les a déjà, ceux-là. Et le même en noir. Voilà. Je lui ai repris un ensemble short et t-shirt. C'est pas la même matière que celui que j'ai pris pour Enzo. Et il l'aime beaucoup aussi, Sam. Cette fois-ci, c'est avec un lion bleu, comme ça. C'est matière un peu maillot de foot. Voilà. Pareil dans le dos. C'est un petit peu transparent. Je vous vois à travers. Et le short qui va avec. Donc. Oh, voilà qu'elle ruine son os maintenant, elle. Je fais vite, hein, parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Voilà pour le short qui va avec. Très beau. Ah, bah, d'ailleurs, ma batterie clignote. Donc, je filme jusqu'à ce que ça coupe, et puis j'irai recharger. Et pour terminer, pour lui, je lui ai pris un t-shirt comme ça. Donc, voilà. Pareil, matière un peu maillot de foot. Même dessin dans le dos et devant. Et il aime beaucoup. Moi, je me suis pris deux... Enfin, c'est des tops, c'est des crop tops à bretelles. Mais moi, j'utilise ça comme brassière, en fait, sous mes vêtements. Ou alors, en été, quand il fait très chaud, je me balade juste avec ma brassière. Donc, j'ai d'abord pris celle-là. Je l'aimais trop. Ça m'a fait penser un peu à... Bon, c'est celui-là qui m'a fait penser à Sailor Moon. Hein. Mais sinon, voilà, il y a des champignons, des cartes, un chapeau de magie et tout ça, une lune. Totalement mon genre. Il est parfait. Et la deuxième que j'ai pris, c'est celle-ci. Plus dans le thème univers, quoi. Astral, vous voyez, il y a des planètes, le soleil.
des constellations et tutti quanti. Je me suis repris le gilet. J'en ai déjà deux hein, que j'ai reçus récemment. Mais là, c'est vraiment un gilet basique sweatshirt. Voilà, avec des papillons. Donc, poche centrale, capuche. Dans le dos, il n'y a rien. Et vous avez des petits papillons blancs. Enfin, un gros papillon blanc ici devant. Et vous avez des roses sur... C'est même pas des papillons sur... Ah, c'est une tête de mort, je ne l'avais pas vu. Voilà. Avec des fleurs et un poignard. Ouais, tout ça. Donc, ouais, ça me fait une petite veste d'été. J'ai pris un pull... traîner à la maison, hein, dormir et compagnie aussi. Alors je pensais que c'était une matière sweatshirt très épaisse, mais finalement c'est un tout fin, donc je vais pouvoir le mettre tout de suite. Capuche, poche centrale, dans les teintes vertes et turquoise. Et regardez-moi ça, j'ai trop craqué. Ça me fait penser à l'autre, l'autre est encore plus beau, hein, que je vous ai présenté la dernière fois là, avec le chat noir et la tasse de café. It's fine, I'm fine, everything is fine. J'adore. Vraiment, c'est le genre de connerie que moi je pourrais sortir. Alors, j'ai pris trois. Là, je vous ai fait le try-on parce que c'est des tops plus habillés. J'ai d'abord pris ce haut à bretelles, Camille, qu'ils appellent ça. Voilà, en dégradé, comme ça, un peu effet marbré. J'en attends un autre encore plus beau, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé. Me revoilà après un coupage de chic. J'espère que j'aurai assez de batterie maintenant pour terminer. Normalement, oui. Donc voilà, je vous montrais celui-ci. J'aime beaucoup. Et franchement, ça, c'est un petit jeans, une petite jupette, n'importe quoi, ça passe crème. Avec un petit gilet par-dessus si vous avez froid, comme moi. Actuellement, j'ai carrément la chair de cocotte. Donc voilà, et j'en attends un autre. Encore plus beau, mais ça, vous verrez dans pas très longtemps. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous filmer le haul, mais pas très longtemps. Ensuite, j'ai pris un long, puisque si vous avez vu le partenariat que j'ai eu avec Temu, j'avais pris deux leggings imprimés et j'en ai recommandé un dans le vlog, la deuxième partie. Et j'ai pris un long top noir pour mettre par-dessus. Voilà, ça fait quand même plus beau qu'un truc court hein, avec un leggings, ça fait un peu plus beau, tout simplement. Et j'aime beaucoup le mouvement. Donc je me décale pour que, comme ça, je peux vous incruster le close-up. C'est croisé, donc c'est vraiment très beau porté, j'ai beaucoup aimé, et il est assez long, donc ça sur un leggings, ça sera nickel, bah, même sur un jeans, une jupe, une robe, bah, voilà, une jupe longue par exemple, ça fait une robe, mais il est vraiment très beau, il est comme je voulais en fait, tout simplement. Alors j'ai pris celui-ci, alors vous voyez dans le close-up que j'ai un petit souci à cause de ma brassière qui est un peu haute par rapport au décolleté du bazar, mais bon, ça va, enfin, voilà. Et c'est un avec les épaules dénudées, comme j'adore, voilà, j'adore ça, vous le savez. Il est gris chiné, comme ça, j'aime beaucoup moi le gris chiné, et alors vous avez ici ce qu'il faut pour mettre vos lolos, donc je pense que même sans soutif, ça devrait maintenir assez, surtout pour le peu de nichons que j'ai. Et devant, vous avez un espèce de papillon doré, comme ça. Non, argenté, pardon. J'adore. Et vous avez les pour froncer sur les côtés, là. Donc, vous pouvez le mettre soit lisse. Maintenant, il est un peu... Serré. Bon, après, avec la brassière en dessous, je pense que ça n'aide pas non plus. Il faudra que j'essaye sans brassière, mais voilà. J'aime beaucoup. Il est très beau. Et moi, c'est le genre de haut que je mets... En été, bon, pas s'il fait 35 degrés, mais là, par exemple, on n'a même pas 20 degrés, je pense. Hein, donc là, je suis gelée. J'avais chaud ce matin, mais maintenant, je commence à avoir froid, parce que je commence en plus à fatiguer, donc forcément. Et gros coup de cœur sur le dernier top. Après, on passera aux petits accessoires qui me restent. C'est un avec un col chemise, comme ça, c'est satiné. Donc ça fait très chic. Et j'adore... il est génial, il est magnifique. Et vous avez des petits confettis, des petits points. Moi qui adore les petits points. Métallisés comme ça. Alors je vais vous montrer dans le dos. Vous voyez, c'est... en toutes circonstances, ce truc-là, ça passe crème. Quoi. Faut que j'arrête de dire ça passe crème. Hein. Je le dis tout le temps. Faut que j'arrête. J'adore, ça fait très chic. Voilà. Et ça pareil, hein. Sur un jean, une petite veste par-dessus. Bam. Ça fait même une tenue de fête, une tenue de tous les jours. Enfin, j'adore.
Alors, je vais passer. Je me suis commandé une housse de couette. En fait, je vous ai déjà expliqué que quand j'ai des trucs un peu plus chers que ce que j'achète d'habitude, je les laisse dans mon panier et j'attends un peu de recevoir. D'ailleurs, il faut que je pense à vous dire pour iGraal aussi. J'attends de recevoir les mails parce qu'ils envoient plein de mails pub pour dire que vous avez gagné 100% remboursé en coupon, une ristourne qui a en plus augmenté une fois que vous avez cliqué dessus et tout ça. Et du coup, je me suis acheté une housse de couette comme ça que j'ai eu à 11 euros, je crois, 10-11 euros. Bon, il faut toujours faire attention avec les taies d'oreiller chinoises et avec les dimensions. Maintenant, les taies d'oreiller, je vous montre juste la taie d'oreiller parce que je ne vais pas vous montrer la couette. Hein. Voilà. C'est des rectangulaires. Mais comme on dort maintenant avec des oreillers ergonomiques, c'est ça hein, qu'on dit? Enfin voilà, ouais, dans ce style-là, qui sont rectangulaires, au moins ils rentreront dans les housses parce que celle que j'avais achetée avec les Bambis, là, avec le Bambi sur Amazon, ça se fermait avec une tirette, c'était génial, mais sauf que ça m'a pété la tirette parce que voilà, je mettais mon grand oreiller. Bon, là, l'oreiller il est un peu plus petit que la housse, hein, mais rien n'empêche de replier en dessous. De l'autre côté, il n'y a rien. Et la couette, bah, c'est la même, quoi. Avec des loups cette fois-ci. Voilà. Elle était trop belle, j'ai craqué dessus. J'en avais une autre, Espace, enfin Galaxy, dans mon panier aussi, mais du coup, j'ai eu la ristourne sur celle-là, donc j'ai commandé celle-là. Alors, un gros truc que vous allez revoir dans mes favoris, parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, vu que j'attendais de tout recevoir avant de vous filmer la dernière partie du haul, c'est ceci. Alors, ça paye pas de mine comme ça, mais c'est un espèce de bonnet, bon, il n'y a pas le haut de la tête, hein, que vous enfilez pour être totalement dans le noir, et c'est exprès pour les migraines, puisque à l'avant, vous avez du gel à l'intérieur. Vous pouvez le faire soit froid, soit chaud, et moi, jusqu'à maintenant, je l'ai juste mis comme ça, parce qu'en fait, le gel à l'intérieur est déjà frais. Bien sûr, une fois que vous le portez, il ne reste pas frais très 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 longtemps, donc vous pouvez le mettre un petit peu au frigo. Mais après, ça redescend totalement sur les yeux, vous êtes totalement dans le noir, et ça fait du bien, surtout moi qui ai tout le temps mal la tête en ce moment, ça me fait un bien de fou. Franchement, vous allez le revoir dans mes favoris, il s'enfile bien, hein, il tient bien sur la tête, même pour dormir et tout. Donc je mets ça, c'est magique. Franchement, c'est magique. Alors, peut-être pas pour une big migraine, hein, comme ça peut m'arriver d'avoir. Maintenant, même avec une big migraine, je prends mon cachet, je mets ça, je vais me coucher, quoi, voyez. Mais si vous avez un petit début de mal de crâne et que vous avez la possibilité de vous mettre dans le noir, pas forcément de dormir, mais de vous mettre dans le noir et de vous détendre, de vous allonger un peu, ben, vous mettez ça. Et le gel à l'intérieur, il est déjà frais sans le mettre nulle part. Ça fait un bien fou. Franchement, j'adore ce truc. Franchement, pour le prix, je suis trop contente. Dans le même esprit, donc là je ne les ai pas encore déballés, enfin si je les ai déballés, mais je les ai laissés ensemble parce que c'est des gants, c'est une paire de gants. Alors eux ils disent spécial pour le canal carpien, j'ai pas de problème de canal carpien, mais en fait c'est des gants qui vont réchauffer le muscle, si j'ai bien compris, hein, c'est des mitaines. Ils n'ont pas l'air d'avoir grand-chose de spéciaux en matière. Maintenant, les doigts sont un petit peu renforcés avec les coutures. Et pareil ici. Donc, quand j'ai un peu mal les mains, je me suis dit, je vais essayer. Et de toute façon, au pire des cas, quand j'ai froid les mains, parce que j'ai tout le temps les mains gelées, mais je ne peux pas mettre des gants, puisque j'ai toujours besoin de mes bouts de doigts pour faire ce que j'ai à faire, quoi, vous voyez? Et bien, voilà, j'ai trouvé la solution, parce qu'ils montent bien haut. Bon, pas si vous avez des grands doigts bien élancés. Hein. Moi, j'ai des petits knackis, donc ça va. Mais voilà. Et les doigts sont bien maintenus avec les coutures. Je ne sais pas si vous voyez les coutures. Elles sont un peu plus épaisses. Le pouce, un peu moins, mais j'ai souvent mal ici. Alors, ce n'est pas le canal carpien hein, chez moi, mais c'est l'arthrose, en fait. Et pour l'arthrose, il faut de la chaleur. Donc, comme c'est des gants qui sont censés, justement, chauffer un peu... on va tester. Voilà, je les ai pas encore testés, hein, mais par exemple là, j'ai le bout des doigts gelés. Je pourrais les mettre. Hein, j'ai les mains gelées, mais j'ai toujours les mains gelées. Donc à tester. Si jamais vous les avez déjà eu, bah, dites-le moi en commentaire. J'ai repris un livre à colorier avec des baby dragons. Voilà, tout simplement. Donc c'est le Magical Dragon. Je vous en montre un ou deux, hein, parce que voilà, y a pas besoin de.
Ils sont trop beaux. Et moi, j'ai des dragons plus fantasy, on va dire. Et là, c'est un peu plus mignon. Wow, tout simplement. Il y a 22 dessins, je crois, à l'intérieur, comme tous. Alors, c'est un qui s'ouvre en carnet. Donc, forcément, enfin, en bloc, bloc-notes. Donc, moi, je rachète des porte-vues pour couper et je mets dedans. Donc, je vais pouvoir le faire maintenant que je vous l'ai montré. Et dernier article, c'est de la déco, c'est une toile, une peinture, quoi, une affiche. Enfin, c'est, non, c'est pas une affiche, une affiche, c'est sur toile, une affiche. Et j'ai craqué dessus aussi. Trop beau. Alors, vous savez que les bambis et les hiboux, les loups, tout ça, j'adore. Et là, je l'ai trouvé trop beau, donc je vais le mettre dans un de mes cadres dézaignaux, puisque pour changer un peu. Comme j'en ai un autre en diamond painting que j'ai terminé, je pense que je vais mettre les deux ici au-dessus de mon meuble télé, là où il y a tout mon mur de cadre dézaignaux. Donc voilà, je l'ai trouvé trop beau. Magnifique. Donc, je vais pouvoir faire ça aussi, puisque maintenant, j'ai terminé de tourner ce haut. Alors, pour iGraal, je vous mets, vous avez de toute façon constamment mon lien de parrainage en barre d'infos, si jamais vous ne connaissez pas. Je vous mets également la vidéo explicative avec, qui est aussi tout le temps, elle date, hein, elle date de vraiment très longtemps. Mais le principe reste le même. Et vous avez donc du cashback sur Temu. J'ai de nouveau plus de batterie, donc je me dépêche. De base, c'est 5%. C'est rien du tout. Très souvent, il passe à 12% et ça arrive régulièrement que ça passe à 20%. Donc voilà, n'hésitez pas, vous activez iGraal avant de valider votre paiement et vous récupérez en cashback sur iGraal 20% ou 12% ou 5% de vos achats, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Et si jamais vous ne connaissez pas, vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos et vous gagnez 3 euros d'office à l'inscription et moi aussi en plus. Et après, si vous passez par mon lien, je gagne moins des petits sous suivant vos montants de vos commandes. Voilà. Quand vous activez iGraal, hein, parce que moi j'oublie, hein, même sur Temu. Là par exemple, il est à 5% pour l'instant même. J'ai fait la commande parce que je voulais pas tomber à... J'ai eu une belle offre, donc les 5% c'est pas très grave, ils sont récupérés avec le big pourcentage qu'ils m'ont offert. Mais sinon, en principe, j'attends qu'il soit à 12 ou 20%. Mais il est très souvent à 20, hein, donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà ce qui conclut ce haul. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour encore des hauls. Surtout ému. Et bah en attendant, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.